Yo les gens, c'est The Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale mode sur Skyrim. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques mods qui sont sur pas PC, mais Xbox One. Parce que chaque jeu, chaque Skyrim, donc sur PC et Xbox, n'ont pas les mêmes mods. Quand vous regardez, je sais pas, Bob Lennon, il a plein de mods. Il y a certains mods qu'on ne retrouvera pas sur Xbox. Donc moi, je vais vous montrer des mods que j'utilise sur mon jeu Skyrim. J'ai voulu tenter de ce procédé de nouvelle armure. Donc voilà. Donc j'utilise, alors je vais vous montrer déjà dans les mods, j'utilise en haut à droite ce pack de ce mod. Donc c'est un mode où en fait quand vous vous mariez, bah, c'est marqué de toute façon sur le côté, c'est marqué quand en fait quand vous vous mariez ou quoi que ce soit, la personne que vous avez. Je peux même le mettre à jour, vous voyez. Je vais même le mettre hein, vous... pendant que ça le fait. Ça fait plein de mises à jour. Donc il y a ce mode là. Donc quand on se marie, la personne, si vous avez les maisons, par exemple, qui ne sont plus dans les villes ou quoi que ce soit. Peuvent installer une étable donc pour vendre des choses et elle vous fait du profit au niveau argent et c'est vraiment vraiment très très bien même dans les ouais dans l'une des 5 maisons villas c'est marqué vous le voyez donc ça vous fait une boutique en fait ça fait une boutique à vous. Oh, sinon il y a petit mode. Le mode Farcar qui rajoute un pays entier de Tamriel, donc 2 à 3 châtels. Moi je l'ai fait. Le truc, c'est que le mode est en français, mais quand vous arrivez, si vous savez pas parler anglais ou quoi que ce soit, vous allez avoir un problème. Bon, Skyrim, c'est quand même le jeu où vous arrivez à vous repérer avec les flèches, les machins. Mais ça parle anglais et la ville principale du début, quand vous allez arriver, il y aura la première ville. Et en fait, quand vous allez revenir à chaque fois dans cette ville en vous téléportant, ça va bugger. Alors, bugger de chez bugger, hein, ça vous relance le jeu et zéro, quoi. Donc le truc à faire, c'est de le faire en une fois. Et comme vous le voyez, il y a 9 à 17 quêtes. Il y a 9 quêtes principales et 17 quêtes secondaires. Je les ai fait. Il n'y a pas beaucoup de zones. Mais franchement, ça vaut le coup. Il y a un nouveau procédé, tout ça. Et franchement, il est super beau, ce monde-là. Donc voilà. Ouais, c'est marqué mode entier, doublé en anglais. Voilà, 30 acteurs. Voilà. Je n'avais pas vu ça, mais bon, c'est pas grave. Oh, sinon, une armure que je n'ai jamais trouvée. Cette armure-là. Alors, je sais pas si c'est une armure où on trouve dans une zone. Parce qu'il y a une zone. En fait, j'ai trouvé une armure, je vous montrerai après. Celle-là, je l'ai pas encore trouvée. Donc, je pense que je ferai une autre vidéo si je la retrouve, mais si je la trouve, mais je sais pas pour le moment, j'ai pas encore d'idée. Les armes pour le moment, j'y ai pas trop touché et pour le moment, j'en ai vu aucune. Donc pourtant, mais c'est un mode anglais et vu que je sais pas lire l'anglais, je sais pas du tout si c'est mis ou quoi, je sais pas si voilà. Le mode Parturnax, donc le dragon qui nous aide au-dessus avec les grises barbes. C'est un mode où en temps normal on peut l'utiliser
pour inverser la quête des lames et Parthurnax. À la place de tuer Parthurnax, si on n'a pas envie de tuer le dragon, voilà, il sera. Vous pourrez pas le tuer. Mais le truc, c'est que si vous voulez le tuer, il sera pas tout seul. De toute façon, c'est marqué sur la feuille. Donc, vous allez le voir. Vous lisez pendant que je vous le dis. Donc, ceux qui jouent à Skyrim, c'est un mode qui est plutôt pas mal. Ceux qui veulent garder Parthurnax, ça peut être toujours pas pratique. Ça peut être... Vu que moi, ce dragon, je l'ai toujours apprécié. Je l'ai pas tué. Moi, ce mode, je l'ai utilisé. Donc, voilà. Ça, on l'a utilisé. Ça, on l'a utilisé. Ça, on l'a vu. Alors. Ça, c'est l'hôtel des Grisbarbes. Donc, ça vous rajoute des quêtes. 29 cris, alors de toute façon c'est marqué, vous avez qu'à lire. Et c'est plutôt pratique, sauf que sur les débuts, faut comprendre comment faut le faire. Parce qu'il y a certaines quêtes, en fait, elles se débloquent pas tout de suite. Faut lancer faut la mettre, la quête. Et en fait, à partir de là, déjà, faut courir jusqu'au-dessus. Ça vous bloque tous les cris, sauf celui du sprint. Donc il faut au moins débloquer, je sais plus comment c'est le mot, le cri. Donc voilà, faut au moins avoir tous les touhoums, tous les voix améliorées à fond. Donc voilà, ça, alors qui est plutôt pas mal, hein, mais bon, moi j'y touche pas trop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Mais il manque quand même... Ah, mon mode graphisme qui est plutôt pas mal. On voit au moins comment est la map. De toute façon, je vais vous montrer. Après, on ira sur le jeu. Donc voilà. Les graphismes sont superbes. Bon, c'est un mode en anglais, mais au moins, franchement, il est vraiment réaliste. On voit vraiment comment le Skyrim est fait. Et franchement, c'est super bien parce qu'à la place d'avoir une map plate, eh ben, on l'a en graphisme. Alors ça, c'est un nouveau mode. Je sais pas du tout s'il marche ou quoi. Il me rajoute 28 dragons. Il me rajoute des tenues. Donc un mode anglais. Donc je sais pas du tout s'il marche ou quoi. Parce que en fait, je me rabâche les mêmes dragons et à un moment donné, ben, quand on n'a plus de dragons à combattre, eh ben, on n'a plus de souffle, on n'a plus d'âme de dragon à récupérer. Il y a certains dragons où on les tue. Bon, quand on a bien joué le jeu ou quoi que ce soit, normalement, on récupère des âmes de dragon sans le vouloir. Moi, c'est ce que je fais. Force de tuer, il y a des trucs qui se font tout seuls. Alors là, alors ça, c'est mon armure fétiche. C'est une armure où j'irai vous montrer où je l'ai trouvée, bien sûr. Mais je crois bien que j'ai déjà fait une vidéo dessus, je sais plus. Donc en fait, on la trouve, c'est un peu un boss. Bon, il est un peu buggé au début, mais sinon, il s'adapte bien au jeu. Et en fait, on gagne aussi un cheval, comme vous le voyez. Je l'ai jamais appelé, mais faudra je voir si je peux l'appeler tout de suite. Je le vois là à l'image. Donc ça sera aussi à voir. La cape. Bon. Ça, la cape. Qui c'est qui c'est qui aime pas la cape, quoi, hein? Je vais vous dire. Moi, ça me plaît bien, moi, avoir une cape. Mais bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir un mode qui personnalise les capes. Donc, ceux qui connaissent Skyrim, bah, me le disent. Mais que sur Xbox, hein, pas PC. Hein, s'il y a un mode exprès pour la cape, ça me plairait bien de créer une cape un peu à mon phénix, à moi. Ce mode-là, bah, je l'ai mis, mais je sais pas du tout s'il marche ou quoi, mais je l'ai détéléchargé tout compte fait parce qu'il me faisait bugger. Le pack de texture, le pack, donc je sais pas du tout s'il marche, c'est pareil, de toute façon c'est en anglais.
Donc voilà, mais bon, normalement, quand il est avec autant d'étoiles, normalement c'est des bons packs. Donc j'ai pas à m'inquiéter. Donc normalement ça devrait bien marcher. Oui, alors comme vous le voyez, normalement je voulais mettre un pack pour les personnes. Et le truc c'est qu'en fait, ça met un personnage et le visage est pas si bien que ça en fait. sinon, bah c'est tout, hein. Bah si, il y a les armures des draps. Les armures des draps, mais bon, les armures des draps, comme dirait l'autre, il faut déjà débloquer le truc exprès de l'enclume des draps. Donc le point exprès pour vous faire une des draps armure. Et en fait, ça vous fait plusieurs armures au niveau de la forge. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ou sinon, ben, c'est tout. Après, je verrai si je rajoute des modes un peu plus tard. Parce qu'en temps normal, je mets des modes français. Pas anglais. Bon, j'en ai mis parce que bon, il y a certains qui sont plutôt pas mal, comme vous l'avez vu. Puis je me repère surtout aux chiffres, en fait, qui sont en dessous. Donc, comme celui-là qui est là, juste là. Il y a un bon favori au niveau de la des favoris, il y a quand même pas mal. Donc j'imagine que ça doit rajouter. Ouais, ça doit rajouter soit des graphismes ou des, je sais pas, ou des villes, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, bon ben on va aller voir, oui, de toute façon, ok, ah bah oui, vu que j'ai fait les mises à jour, ça se relance. Donc, bah sinon, abonnez-vous, parce que je l'ai pas dit, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus, mettez la cloche de notification, partagez, et regardez mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Je pense que je me remette à GTA. Dans pas longtemps, et comme vous le savez, j'avais fait une vidéo sur Ark. Tout compte fait, je vais arrêter Ark parce que j'ai eu un problème avec le jeu. Vu qu'en plus de ça, je l'ai téléchargé, je l'ai pas en CD. Il marche, hein, mais en fait, le truc c'est qu'il y a eu un spawn de dinos. Et ça m'a tout détruit. Et moi, vu que je suis pas du genre à recommencer une partie 100 000 fois, j'ai pas envie de retourner sur la session ou quoi que ce soit. Et puis, de toute façon, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos à gogo sur Ark. Donc, je laisse les autres youtubeurs. Ah, bah super, sur la plage. Je laisserai les autres youtubeurs faire des vidéos dessus. Sur Arc. Donc voilà. Donc je pense qu'on va rester sur Destiny, BO, Monster. Voir continuer un peu Forza. Hein. Bon, j'ai mon Forza qui est en mise à jour, donc je peux pas faire de vidéo pour le moment. Et je pense, je vais voir, mais je vais peut-être faire des vidéos sur. Comment dire? Sur un farming simulator, le dernier, je pense, je vois, mais ouais, je pense que je ferai une vidéo dessus. Et je, s'il y a des personnes qui connaissent des jeux gratuits, qui jouent en ligne et tout ça, je suis partant pour faire des vidéos dessus. Donc, dites-moi en commentaire, même des jeux que vous voulez revoir sur ma chaîne ou comme Minecraft ou quoi que ce soit. Pour des vidéos voilà un peu particulières. Moi après Minecraft je suis plus trop partant parce que Minecraft c'est PC. Bon, il y a eu des nouvelles mises à jour, tout ça. Et c'est vrai que en temps normal je me dirais bon, je ferai une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y a eu, tout ça. Mais il faudrait réponse sur contenu. Oui, bah oui. Donc je verrai bien comment se déroule. Dites-moi en commentaire, c'est tout. Dites-moi ce que vous voudrez vous voir sur ma chaîne. Si vous voulez revoir du Minecraft ou quoi que ce soit, dites-le-moi en commentaire. Donc voilà. De toute façon, je mettrai un.
Un petit commentaire pour ceux qui veulent revoir des jeux. Donc, parce que tout compte fait, je sais pas si je vais faire du BO ou quoi. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les graphismes, comme je vous l'avais dit, les graphismes sont plutôt beaux. Bon, normalement, vous l'avez déjà vu, hein, vu que j'avais déjà fait des vidéos dessus. Donc, voilà. Donc, en fait, l'armure que j'ai eue, c'est. Ouais, ici. Ah oui, d'accord. Mince, c'est vrai. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un gros bug au niveau du poids, mais ça devrait. Ça, normalement, ça devrait être bon. Donc je vais vous montrer l'armure que j'ai pris sur Skyrim en fait. Ouais, c'est bien ici, hein. Je suis allé trop loin. C'est ici. Donc normalement il devrait y avoir un dragon, mais bon, c'est pas trop dérangeant le dragon. Donc ouais, et puis comme vous le voyez, les graphismes sont quand même mieux qu'avant. J'avais mis un pack graphisme. Donc c'est ici, oh là, on voit rien du tout, on va éclairer un peu ça. Oh, il fait nuit, j'ai l'impression, c'est pas possible. Donc comme vous le voyez, vous arrivez de là. En fait, vous faites le tour, faut trouver un passage. Il y a un passage qui vous emmène ici, vous le voyez, le dragon est là. Et en fait, En fait, l'armure, voilà, c'est ça. Avec une épée comme ceci, qui est plutôt vraiment badass, j'ai à dire. Et franchement, c'est pas n'importe quelle armure. Donc, elle est pas. Elle ne peut pas être améliorée, ni l'épée, ni l'armure. Voilà. Oh, il l'a pas pris. Vous voyez, l'armure est vraiment résistante. À un point où, en fait, je crains vraiment plus. Quand il s'arrête comme ça dans les airs, j'aime bien me planquer. Allez! Faut tirer au-dessus. Donc en temps normal, quand vous arrivez ici. Oh, bagnon! Et en fait, bah ouais, il y a des drogueurs. Il y a des drogueurs, donc en temps normal, voilà. Par contre, le dragon, alors il a dit quelque chose, je sais pas. Donc ouais, après ben le bouclier, pourquoi il y a un nom spécial tout d'un coup? Donc après ben il y a un mot de puissance, c'est pareil ici. Par contre celui qui descend. Pas. Allez. Désolé pour la lumière, hein, mais bon. Donc voilà, dragon ancien. Oui. Viens là, Marcel. Et hop. Touché. Alors là. Mais normalement, vu que je l'ai déjà battu. Ah si. Ah bah dis donc. Ah, je récupère son mode de puissance. Et en fait, le gars à l'armure. Il devait y avoir des squelettes. Alors attention au piège, hein. Il y a un piège juste à l'entrée. Alors moi je vous conseille, avant d'arriver ou quoi que ce soit ici, c'est que vous battez le dragon. Oh, encore. Et oh.
Donc moi, ce que j'imagine, c'est qu'en fait, le gars est sorti de tombe. Et voilà. Mais je pensais qu'il serait encore là, mais il est plus là. Donc c'est pas trop grave. Donc ouais, il y a des drogueurs là-haut. Mais bon, je l'ai déjà fait. Donc après, voilà, c'est pas non plus une grande chose, mais c'est vrai que pour trouver un nouveau truc, c'est quand même pas mal. Après, ben, au niveau aventure, moi je l'ai terminé. C'est quoi ça? Pourquoi le truc il en a? Pourquoi c'est en anglais? Comme dirait l'autre, voilà, comme vous voyez là, j'ai mis la méditation de la voix. Voilà, c'est juste là. Mais là, je pense qu'il y a un mode qui est en train de me mettre toutes les écritures en anglais. Foraval. Donc après, ben moi, comme vous le voyez, je l'ai quand même bien terminé. J'ai battu Morak, Mirak, donc j'ai même son armure. Attendez, je vais vous les montrer. Normalement, elle est là ou là? Je crois même qu'elle est là. Puis en même temps, je vais vous montrer les tables qui fait que ben, notre partenaire, notre femme ou notre homme, ceux qui veulent se marier avec un homme le font. Moi, c'est plutôt les femmes qui m'intéressent, mais bon, c'est pas trop grave. Mais bah en fait, je me suis marié avec quelqu'un qui vendait des choses, donc ça m'avantage un peu. Mais c'est vrai que bah, sur le coup, au début, j'ai voulu me marier. C'est vrai que moi, j'ai toujours une préférence pour Serena. Alors, comme vous le voyez, bon, moi j'ai le tout, hein. J'ai ça, j'ai la charrette. Donc, ça fait une étape, ça fait ça, ça se met là. Donc, on peut prendre ce qu'on veut sur l'étape parce que c'est quand même à nous. Donc, après, bon, moi, c'est voilà, c'est ma maison principale. Donc, ouais, il doit y avoir un mode qui doit me le mettre en anglais, tout bordel là. Faudrait que j'enlève. Faudra que j'enlève un mode que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc vous voyez, j'ai tout fait, j'ai même j'ai tout. Le truc c'est que bon, même si on veut essayer de faire au mieux ou quoi que ce soit, on peut pas faire que du mieux, quoi. Ah papa, Oh. t'es rentré. Tu m'apportes un cadeau? Non, j'ai pas vraiment eu le temps. Oh. Donc, en temps normal, bon bah voilà, je me suis marié avec elle, hein. Cette maison est merveilleuse, mon amour. Puis voilà, on Si vous êtes peut d'accord, demander j'aimerais ouvrir une. Nous avons le fait un joli profit de profit. l'argent Tenez, quand on est voici pour vous. parti. Donc, si on part, voilà, je suis parti tellement Au longtemps revoir, que Romain. voilà, Honneur à ça se vous. cumule et
Mais bon, on va dire. Moi, je veux dire, je suis pas pauvre non plus parce que je suis quand même avec le mode. De l'autre. De l'autre endroit où on parle anglais. Donc j'irai pas parce que ça sera. Ça bug tellement et j'ai pas envie de vous le montrer. Mais je vais vous montrer d'où on peut partir. Comme ça sera fait. Donc elle fera. Oh la vache, 25 minutes. Bon, c'est pas trop grave. Trois sons pour des mods. Les chargements qui durent 107 ans. Alors comme vous le voyez là, vu que j'ai tout terminé, le truc qui est le plus chiant, c'est que là, vu que je suis niveau 43, bah, je voudrais gagner un peu plus de niveau parce que bon, Skyrim c'est quand même le jeu. Donc je voudrais quand même gagner un peu plus de niveau, mais je pense qu'il y a d'autres missions à faire à droite à gauche. Comme de l'autre côté, du côté de Mirak. Que j'ai battu, il doit y avoir encore des missions à gogo, mais voilà. Vous cherchez à louer un bateau? Vous allez où? What? Attends, je me suis trompé ou quoi là? Non, c'est bien l'étoile normalement. Enfin, il est où le port? Parce qu'en temps normal, il y a un port là. Mais c'est pas ce port là au début qu'il faut venir voir pour le mode. Et en fait, c'est pour 100 pièces d'or, il vous emmène aller-retour. Et là, oui, l'a enlevé ou quoi? Le mode qui s'est pas mis à jour. Pourtant aussi, c'était mis à jour. Alors non, il s'est mis à jour, mais c'est enlevé. Alors ça, c'est embêtant. Bon bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se quitter. Alors attendez, non, peut-être pas. Attendez, je voudrais voir si magie. Est-ce que destruction, conjuration. Badass en fait, il est beau. Je l'avais jamais fait apparaître. Et franchement, il est vraiment, mais vraiment magnifique. Bah voilà. Ça me fait un. Oh, ouais. Par contre, ouais, j'ai plus l'habitude de manipuler. Ouais, mais en fait, il est badass, en fait. Il est super beau. Ah ouais. Bon, bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se terminer. Ça fera 30 minutes de vidéo. Bah, c'est bien hein, pour une vidéo de mode. Donc, partagez. Mettez des pouces bleus. Abonnez-vous. Puis faites comme d'habitude, après tout. Hein. À un moment donné, j'ai pu vous le dire. Parce que bon, faut quand même que vous le saviez. Je pense que quand vous regardez une vidéo, vous savez que maintenant, si ça vous plaît ou pas, vous vous abonnez ou vous mettez des pouces bleus.
Mais bon, c'est quand même bien, ou sinon je vous le dirai, mais en fin de vidéo, donc je pense qu'on fera plus comme ça. Donc Scary Mode, je pense que je vais pas aller plus loin au niveau du titre. Et puis bah à la prochaine les amis!